mon cher ami de Michelin, mon ami Alain McNish. Maintenant, on va performer un accent, moi, très sud de la France, Italie, et lui, un accent français très nord de la France, l'Angleterre. Oui, c'est actuellement un petit peu trop écossais, mais j'espère que ce n'est pas bien. Bon, on a passé beaucoup d'années ensemble et on voudrait savoir, Alain, comment c'est passé, si vous êtes content. Hier, nous avons, pour le premier essai, juste, nous travaillons pour le setup pour la course. C'est pas pour le quali, parce que c'est la première fois que nous avons roulé le Arcane Plus ici, au monde, et le circuit c'est très spécifique, tu connais exactement ça, Emmanuel. Et nous trouvons un bon balance avec notre voiture, mais pour le chrono, ce n'était pas le meilleur. Nous travaillons avec les trois voitures, avec les programmes un petit peu différents. Pour moi et Tommy Dindo, c'était l'aérodynamique. Pour la voiture 8, c'était pour les pneus Michelin. Et pour les neufs, c'était pour le setup de, pour les mecs. Oui, le amortisseur et tout ça. Honnêtement, cher ami, je rigole parce que, bon, pour Alain, c'est assez difficile que pour moi de parler français. Il a un accent diabolique. C'est vraiment impossible de ne pas rigoler. Tu es tellement professionnel que tu l'as fait très, très sérieuse. Mais bon, pour moi, c'est très difficile aussi d'être dans cette position. Mais bon, on s'amuse. D'un autre côté aussi, on n'était pas très contents de les essayer. Alors, le 2, on espère que ça va être sec. Et je peux dire que Tom, Alain et Dindo, ils sont un équipage fantastique. C'est comme une équipe, ce n'est pas juste les pilotes, c'est beaucoup d'ingénieurs et mécaniciens aussi. Pour moi, une chose très importante, c'est nécessaire, tu comprends la mentalité de coéquipier. Et pour ça, avec tous les pilotes d'Audi, je crois que nous avons une bonne ambiance. Quel accent. Mais vous avez un avantage, je te l'ai dit, c'est la voiture ouverte, parce que maintenant je roule avec une voiture couverte, la visibilité c'est pas pareil. Alors même si tu as des problèmes, réfléchis que tu as quelque chose d'avantage qui te donne un peu de sourire et de bonne humeur. Oui, une chose, dans la nuit je crois que c'est beaucoup mieux avec une voiture ouverte. Et parce qu'avec les lumières c'est bien, c'est sûr, mais ce n'est pas 100%. Et la dernière fois que j'ai roulé avec une voiture fermée, c'était c'est 10 ans avant. Donc, non, c'est après ça, Toyota. Ah oui, oui. Oui, oh, mais parfait, nous avons fini à minuit, donc ce n'était pas bien. Mais je crois maintenant les voitures fermées, c'est un petit peu plus facile que ça, mais c'est toujours difficile à conduire. Bon, cher ami, je pense qu'on s'est dit tout ce qu'il faut dire. Et vraiment, un bisou et bonjour à nous deux dans le paddock de Le Mans. Bonne chance à Alain et bonne chance à tout le monde. Et bonne chance à toi aussi. Ciao, ciao. Michelin, une meilleure façon d'avancer.